Dernière, je pense que nous avons eu à échanger inbox justement allant dans ce sens. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau Premier ministre qui arrive. Comment fait-on pour consolider les acquis d'une transition jusqu'ici, d'une transition entamée, on le rappelle, depuis le mois d'août et qui, pour bon nombre d'observateurs, disons-le, répond aux aspirations du peuple malien et même au-delà du peuple malien? Je salue d'abord la promptitude avec laquelle l'exécutif malien n'a pas laissé le lézard entrer dans le mur fissuré. Je salue l'homme qu'ils ont choisi, qui, il faut lui rappeler, lorsque l'ancien Premier ministre Jugal Kokala Maiga était pas bien portant, a été intérimaire et dont l'intérim a été apprécié par la majorité d'abord des Maliens et par la plus grande partie des Africains, dont moi. Vous voyez, si ces événements n'avaient pas chuté par un remaniement ministériel, et qu'on m'aurait posé la question il y a quelques heures en avant, j'aurais dit que c'est une comédie de mauvais goût. J'aurais dit que c'est un plan politico-politicien pour voir si l'unité du Mali tient encore. Si on m'avait posé cette question avant ces événements qu'ont suivi ces deux communiqués consécutifs, j'aurais expliqué simplement à celui qui m'aurait posé la question, qu'est-ce que je pense de ce qui se passe au Mali, pour dire que non, je ne crois pas. Mais lorsque j'ai vu les médias panafricains, autant pour moi, françafricains s'embourber. Lorsque j'ai vu la hauteur Alors, de la Doucouré, fermez votre micro, s'il vous plaît, Doucouré. Abdoulaye, Boubou Doucouré, bien vouloir fermer votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous me recevez? Ok. Voilà, fermez votre micro, comme ça on pourra écouter Okossissi Baba Nicolo. Allez-y, Okossissi. Lorsque j'ai vu l'ampleur de la chose, j'ai dit, Oui. diantre, sommes-nous, en tant qu'Africains, maudits? Sommes-nous aussi dans une position sinusoïdale à ce point? Choguel Koukala Maïga, un homme qui a brillé par ses prises de position, un homme qui a brillé par le combat contre Ibeka avec le M5, un homme qui a été le fer de lance du début de la révolution populaire. Est-ce que je rêve? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce grand homme, ce grand intellectuel, ce homme digne hier, n'ait pas eu la présence d'esprit, lui qui parle avec des paraboles, lui qui parle avec des mots africains, lui qui parle avec fierté, intégrité. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce monsieur-là n'ait pas jugé que le temps a changé? Pour le politique qu'il est, comment est-ce qu'il n'a pas pu comprendre que même le grand imam Diko, chef religieux, guide religieux, qui est dans un pays, le Mali, qui est à majorité musulman, et que ce monsieur-là, pour avoir été maladroit, a été mis au châtiment. Comment Choguel Kokala Maïga, un homme aussi adroit, n'a pas pu remarquer cela? Aujourd'hui, comment je perçois la réaction prompte de l'exécutif? Parce que l'avènement de Donald Trump au pouvoir redessinera absolument la géopolitique. Est-ce que c'est ce qui a poussé Choguel Kokala Maïga à faire un pas en avant pour pouvoir bénéficier d'un harakiri? Parce que ça, on appelle ça se faire harakiri. Nous avons vu les discours de Choguel Kokala Maïga à l'ONU. Nous avons vu comment il haranguait les foules. Ces bisbilles entre lui et Assimi Goïta couraient les rues. Mais nous avons vu comment il a su se rattraper. Nous avons vu Choguel Kokala se faire décorer. Nous avons vu un premier ministre droit dans les bottes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour revenir à cette analyse que vous avez ouvert la porte pour qu'on fasse, je salue le Mali.
Je salue le combat qui est juste tordu, mais qui n'est pas cassé. Oui, dans un pouvoir dit démocratique, comme le sont nos pays, il y a l'exécutif, il y a le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, et le pouvoir législatif. Est-ce que ces pouvoirs existent au Mali? Oui. Mais Choguel Kokala Maïga a omis qu'il était seulement chef du gouvernement, mais il n'était pas chef de l'exécutif. Il est chef du gouvernement en tant que premier ministre, mais pas chef de l'exécutif. C'est l'exécutif qui conçoit, qui met le schéma et on suit. Et qui est l'exécutif? C'est des militaires. Les militaires, on les appelle la grande muette. Ils ne bavardent pas comme bavarde Choguel Kokala Maïga. Nous nous rappelons des sorties de Choguel Kokala Maïga lorsque la CEDEAO insistait à les garder sous embargo. Il a dit ceci. Nous avons quitté la CEDEAO et ses noms discutables lorsqu'il s'agit de notre souveraineté. S'il faut payer le prix, nous allons payer le prix. Et les Maliens sont payés à payer le prix. Le Mali est au-dessus de chaque individu. C'est les paroles de Choguel Kokala Maïga. L'Union africaine, si l'Union africaine se comporte comme la CEDEAO, nous allons quitter l'Union africaine. L'ONU, il a même osé dire que si l'ONU insistait, ils allaient quitter l'ONU. Mais quand un monsieur sort des paroles de guerrier à ce niveau, et qu'aujourd'hui il se fait harakiri, il expose non seulement le Mali, qui aujourd'hui est devenu l'objet de raillerie des médias occidentaux et des gens comme le terroriste Alassane Ouattara. Il nous a ramenés bas. Mais que ses adeptes et lui-même comprennent que si le doyen, le guide religieux, l'imam Diko a été mis au charge des archives, c'est parce que la jeunesse a compris. Aujourd'hui, la jeunesse est déboutée par la politique politicienne. Il faut que Choguel Kokala Maïga réinitie son logiciel. Il faut qu'il actualise son logiciel. Les jeunes veulent quoi aujourd'hui? Pour sortir au cours ici. L'indépendance, la sécurité. Et ce qui me surprend pour sortir, l'ANR, l'Assise nationale de la résistance, qui est-ce qui a boosté ça? C'est Choguel Kokala Maïga. De la refondation. Combien? De la refondation, autant pour merci. Combien de temps ils ont donné pour parler d'élection? Il y a certaines personnes qui avaient proposé même 10 ans. Je passe sous le contrôle de Doukouré puis d'Issa. Il y a certaines personnes qui avaient proposé 10 ans, je me rappelle, de ces assises-là. Mais les militaires ont dit non, 5 ans suffit pour faire une transition. Mais comme l'a dit mon camarade Doukouré avec son contrôle, il a dit que ça devait prendre effet à partir du 31 décembre 2025. À quelle date nous sommes en 2024? Qu'est-ce qui pousse Choguel Kokala Maïga à se faire une sortie en 3 temps? Premier, il salue Kidal. Mais les acquis de Kidal, qui les a obtenus? Mais après Kidal, est-ce qu'il n'y a pas eu Ten Sawaten? Est-ce que la sécurité est assurée? Est-ce que le Mali est libre de toutes ces attaques? Non. Donc, c'est ce que j'appelle de l'oxymoron et j'appelle de la mauvaise foi. Ensuite, il fustige ouvertement ses camarades, dont il est lui-même Premier ministre, ce que j'appelle un harakiri. Mais qu'est-ce qui l'empêchait, lui, de rendre démission et d'aller vaquer à ses occupations, au lieu de rester dans le gouvernement et de dire ceci? Et troisième point, il vient faire le fanfaron pour dire qu'il salue le travail de l'AES. Mais l'AES, s'il avait pensé à l'AES, il allait bien comprendre que l'AES dépend du Mali, le Mali dépend du Niger, le Niger dépend du Burkina, et c'est ensemble que nous nous battons. Donc pourquoi il fait cette fracture-là? Il veut fracturer l'AES? Il veut fracturer le Mali? Alors, ce que je veux dire simplement, je salue la qualité de l'homme qu'ils ont choisi, qui lui a fait ses preuves, parce qu'il a déjà été Premier ministre intérimaire et les Maliens étaient satisfaits. Donc pour ma part, Choguel Kokala Maïga a manqué de lecture politique, il a manqué d'être dans l'histoire politique et aujourd'hui il expose le Mali à ce que tous les fanfarons, tous les charoyens attendaient depuis longtemps. Mais je pense que le Mali croit est resté uni et en quelques mois nous n'allons plus parler de ce monsieur et ce monsieur voulant le pouvoir coûte que coûte vient de se détruire et c'est une grosse erreur qu'il vient de faire. Merci à vous, Koussissi. Baba Dikolo, pour ce premier jet. Alors, André Kisselfanga, je voudrais qu'on mette de côté les circonstances du départ de Choguel Kokala Maïga. Je voudrais qu'on s'appesantisse sur ceux qui sont là. Arrivée du général de division Abdoulaye Maïga. C'est un visage très connu. Il a assumé les fonctions de premier ministre. C'était en l'absence de Choguel Kokala Maïga. On se souvient de ses sorties.
tout au moins fracassante au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. En 2022, par exemple, c'est lui qui avait prononcé, justement, du moins qui était revenu sur ce qu'on avait largement relayé parlant de la junte française. Il s'était également attaqué dans ce discours, celui du Mali à l'Assemblée générale des Nations Unies, à ce qu'on qualifiait du syndrome du troisième mandat, l'art de se dribbler soi-même. Alors, que vous inspire aujourd'hui l'arrivée du général de division Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre du Mali? Le vœu a été exaucé. C'était votre vœu, particulièrement? Son vœu a été exaucé. Le vœu de qui? Mais de celui qui est Premier ministre. Il voulait être Premier ministre. Ça a été exaucé. Je pense qu'il faut qu'on soit très sérieux quand nous prenons la parole. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de lutte. Et toutes les forces sont nécessaires pour la lutte. Toutes les forces sont nécessaires pour la lutte. Oui. Et donc, pour que nous puissions arriver au résultat, ne négligeons même pas la petite force que représente quelqu'un. En faisant croire que non, les autres seraient supra-hommes. L'autre a commis une erreur. Mais écoutez, dire qu'il y a un problème de fonctionnement, c'est commettre une erreur. Est-ce qu'il faudrait nécessairement revenir sur ça? Non, il faut qu'on le rappelle pour que les gens qui traitent aujourd'hui le docteur Choguel Kokala Maïga de... Non, mais parce que là, les Maliens sont résolument sur une autre dynamique. Il y a un autre gouvernement. Il y a pas une autre dynamique. Est-ce qu'on doit passer... Est-ce qu'on doit passer le temps à ressasser ce qui s'est on passé? On ne ressasse pas. C'est arrivé. Maintenant, on est en train de conduire. Il y a une nouvelle équipe dirigeante. Oui. Allons-y, messieurs, avec le général de division Abdoulaye Maïga. D'accord. Mais que le général, n'est-ce pas, de division Abdoulaye Maïga, premier ministre, n'est-ce pas? Oui. Sache que il y a une partie des Maliens, n'est-ce pas, qui doivent accompagner le gouvernement de transition, le chef de l'État, dans la lutte de la libération, n'est-ce pas, du Mali et de l'AS tout entier. Oui. Et moi, je pense que c'est même le meilleur conseil que je peux donner aux Maliens actuellement. Lequel? Qu'ils ne se donnent pas à cœur joie, chacun de son côté, ou bien qu'ils prennent des partis, c'est-à-dire les pros Maïga, le nouveau Premier ministre, et les pros Choguel de l'autre côté. Non. C'est le Mali qui doit être en premier choisi. Parce que si vous commencez à vous diviser en camps, en clans, comme j'ai vu des marches, des marches, n'est-ce pas, qu'on sait que c'était manipulé, qui ne permettent pas véritablement que l'équipe soit soudée. Même si Choguel Kokala Maïga part aujourd'hui parce que personne n'est éternel, oui, n'est-ce pas, a une fonction, ça peut changer d'ici, à tout moment, et surtout selon les visées du combat. Alors, qu'on continue à se servir, n'est-ce pas, de cet instrument-là, parce que Choguel Kokala Maïga aujourd'hui est un instrument important pour la politique, n'est-ce pas, du combat, n'est-ce pas, panafricain. Et que le nouveau premier ministre, n'est-ce pas, se ressource auprès de lui aussi, en demandant conseil sur certains dossiers. Et je pense que ça va aider le Mali, n'est-ce pas, à sortir, n'est-ce pas, de cet imbroglio qui... Il ne faut écarter aucun acteur politique. Aucun acteur politique actuel ne doit être écarté au niveau du Mali. Parce que si on écarte un acteur, ça va donner l'opportunité à l'adversaire, n'est-ce pas, d'y pénétrer. Et c'est nous qui serons la cause. Parce que si on laisse, n'est-ce pas, les gens fragilisés aujourd'hui, Choguel, n'est-ce pas, c'est-à-dire en le taxant de tous les noms, en disant ceci, ou bien en vantant aujourd'hui le nouveau premier ministre, n'est-ce pas, qui... Mais écoutez, rappelons simplement que Choguel Kokala Maïga est un homme politique et un acteur de la société civile de grande envergure, d'une importance capitale pour le Mali. Et le peuple malien a coalisé avec lui pour justement arriver à ce niveau de combat. Et il a été au cœur du système, n'est-ce pas, pour arriver à ce niveau. Et d'ailleurs, il a même perdu sa santé parce qu'il était au devant de la scène. Voilà. Parce que quelqu'un ne peut pas arriver à ce niveau de sacrifice jusqu'à perdre sa propre santé
pour le bien-être, n'est-ce pas, du Mali. Et vous venez le traiter aujourd'hui comme un traître, quelqu'un qui s'est levé un matin pour devenir traître, alors qu'il a travaillé depuis de longues années pour remettre les choses en place. Pour simplement dire quoi? Pour simplement dire que le Mali est dans une posture qu'il ne faut pas qu'une brèche s'ouvre pour que l'ennemi nous fragilise. Le docteur Abdoulaye Maïga, vous savez que c'est aussi un docteur. Il est très intelligent. C'est un général. Il connaît les rouages de l'administration. Il connaît, parce qu'il est, il est toujours ministre de l'administration territoriale. Donc, il connaît beaucoup de choses. Alors, le gouvernement aussi. Exactement. Et je pense qu'il y a des les anciens conseillers, n'est-ce pas, des premiers ministres qui sont avec nous sur ce plateau. Et ils vont comprendre mieux ce que je suis en train de dire en disant. C'est une institution, le poste de premier ministre est une institution extrêmement importante. Et quand nous regardons dans les configurations de nos politiques, n'est-ce pas, dans nos pays, regardez au Burkina Faso, le premier ministre, c'est un civil. De l'autre côté, au Niger, c'est un civil. Vous allez regarder que pourquoi avoir les civils, n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, du président de la transition qui est un militaire. C'est parce que justement, il faut qu'il y ait ce maillage entre les forces civiles et les forces militaires. Parce que s'il n'y a pas ce maillage-là, il risque d'avoir un gouvernement justement de ce qu'on peut être uniquement militaire ou bien armé. Ce qui ne permet pas d'avoir une vraie lecture, n'est-ce pas? Une bonne lecture ou bien des situations même des civils. Parce qu'aujourd'hui, les civils ont aussi un rôle à jouer. Oui. Je vous ai pris l'exemple du Burkina Faso. Nous aurons l'occasion de revenir justement sur l'ensemble des membres du gouvernement. On y retrouve effectivement des civils à des postes stratégiques. Donc, certains qui n'ont pas bougé. Je suis très d'accord. Mais je pense que le chef de l'exécutif, dans une situation aussi, n'est-ce pas, compliqué comme nous avons là au Mali, je pense que le mieux serait d'avoir un civil, n'est-ce pas, comme premier ministre. Pour avancer au pas de course, en évoquant la deuxième thématique de la soirée, en rapport justement avec les élections à venir du côté de la Côte d'Ivoire, la présidentielle qui s'annonce d'ores et déjà, entre autres, revenant justement sur cette alliance qui se dessine, se dirige-t-on vers un rapprochement entre le FPI et le PPACI, en prélude justement à cette présidentielle de 2025? Si oui, que vaut cette alliance? Faut-il croire à une réconciliation entre Laurent Gbagbo et Pascal Afinguessan? Autant de questions que nous nous posons ce soir au moment où les lignes bougent dans le paysage politique ivoirien. Plantons le décor tout d'abord. Plantons le décor à la réalisation sur cette thématique avant éventuellement de prendre nos invités, notamment Okossi Sibaba Nicolo qui est avec nous. Rapprochement inédit entre Pascal Afinguessan et Laurent Gbagbo. L'âge de guerre semble avoir été enterré. Les deux responsables de parti, respectivement président du Front populaire ivoirien FPI et le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, en rapport avec les présidentielles de 2025, semblent s'organiser en coopération en vue de maximiser leurs chances de réussite. En effet, une délégation du PPACI s'est rendue chez Pascal Afinguessan pour poser les bases d'une possible collaboration, une approche saluée ici par Afinguessan qui insiste néanmoins sur une condition préalable et essentielle. Il parle d'une réconciliation publique et sincère avec Laurent Gbagbo. De son point de vue, il faudrait des actes concrets pour convaincre les militants des deux camps de la sincérité de cette démarche, mais également pour plus de crédibilité devant la population ivoirienne. Il est question que le président Gbagbo et moi, nous nous retrouvions, parce qu'au-delà de l'accord, il y a une réconciliation à organiser. Nous nous sommes opposés pour pouvoir rassurer l'opinion, pour pouvoir crédibiliser une quelconque alliance. Il faut d'abord que nous donnions des signaux forts à l'opinion, que nous avons tourné la page des dissensions et cette nouvelle dynamique doit être matérialisée par une rencontre. Et je pense qu'à l'occasion de cette rencontre, nous allons échanger sur la manière d'aller ensemble à ces élections de 2025. La relation entre Laurent Gbagbo et Pascal Afinguessan n'a pas toujours été tendue. Celle-ci s'est dégradée davantage après la crise post-électorale de 2010-2011 et la libération de Laurent Gbagbo, qui avait qualifié le FPI dirigé par Afinguessan d'enveloppe vide. Une déclaration qui avait alimenté le fossé
entre les deux hommes politiques. Mais aujourd'hui, il est important de préciser que les enjeux semblent avoir dépassé leur querelle personnelle. Doit-on dire au Kossesi Baba Nicolo que les enjeux entourant cette présidentielle ont clairement dépassé les différends entre Laurent Gbagbo et Pascal Afinguessan? Croyez-vous à un rapprochement entre le FPI et le PPACI à l'approche de cette présidentielle en Côte d'Ivoire? Alors, cher frère Baudelaire, avec votre permission, si vous me permettez, je vais répondre naturellement à votre question, mais je souhaiterais revenir juste en 2-3 minutes sur le sujet dont on vient d'aborder. En 2 minutes, au cours ici, en 2 minutes. Alors, le grand frère le grand frère André Fanga avait posé des questions et avait suscité des questionnements, ce qui est très 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 important, c'est bien, ça permet aux gens de comprendre. Il avait dit d'entrée que le ministre Maïga avait obtenu ce qu'il voulait. Je voulais juste ici renchérir sur le fait que c'est un fait que Monsieur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, s'est déculotté en allant en public exposer ce qu'il pouvait régler en famille. C'est un fait. Donc ce n'est pas le nouveau Premier ministre qui a suscité cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a parlé de pro. Au Mali, nous parlons de Maliens en tant qu'entité. Et les termes de pro sont des termes que les Occidentaux ont utilisés pour nous garder dans des caricatures, dans des groupes. Donc ici, il s'agit du Mali et lui et moi et tous parlons de l'unité et parlons de la convergence du panafricanisme. Donc, il ne serait pas approprié qu'il y ait des pro-Choguel, pro-Assimi Goïta. Je valide cette affirmation et nous exhortons le Malien à ne même pas utiliser ce genre de thème parce que c'est des thèmes qui fracturent. Pour finir, il dit que il ne faut pas négliger, il faut négliger aucun Malien. C'est vrai. Le Malien militaire est d'abord un Malien en tant qu'entité. Le Malien civil est d'abord un Malien en tant qu'entité. Ce qui les a réunis, quel que soit le poste de chacun, était un combat pour la souveraineté, pour la sécurité et pour l'affirmation de soi. C'est dans cette ambiance-là qu'il a fallu avoir une équipe. Donc tous ceux qui étaient dans le gouvernement, il faut préciser que quand Choguel Kokala Maïga parlait, il était en treillis. Mais civil en treillis, pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un message qu'on envoie, un message de révolution. Et dans ce message de révolution, chaque Malien se doit d'apporter sa pierre pour atteindre l'objectif. Alors, quand vous posez des pas qui ne vont pas dans le cadre du dispositif, parce que le Mali est en guerre, il faut que les gens retiennent ça, le Mali est en guerre et chaque soldat, qu'il soit civil ou non, femme ou homme, doit être à son poste. Et c'est dans ce poste-là que Choguel Kokala Maïga a fait un harakiri et c'est normal. Pour un dispositif de guerre, quand un soldat est faillible, il faut le changer et mettre un autre soldat. Je voulais vite revenir dessus pour que, comme nous sommes en communication, les gens comprennent que ce que Choguel Kokala Maïga a fait, ce n'est pas bien. Il était maladroit, il a fait harakiri et il a exposé le Mali. Je viens maintenant à votre question. Est-ce qu'il faut croire à un rapprochement du président Laurent Gbagbo et Afin Guessant au-delà de leurs différends pour la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, ça serait bien pour nous tous de voir ce que souhaite le président Afin Guessant, président du FPI, qui était le parti du président Laurent Gbagbo. Mais est-ce que cela se fera? Est-ce que cela arrivera? Naturellement, dans les faits que vous avez présentés et dans les faits en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo s'est rendu à Bonoua où il a dit à tous les partis politiques qui souhaitaient le départ du terroriste Assane Ouattara de se concerter, de se rassembler et qu'il ouvrait ses mains. Donc, le président Laurent Gbagbo a fait un grand pas, un grand geste. Mais avant lui, avant qu'il n'arrive à Bonoua et qu'il lance cet appel-là, et à Fingessa, et Maman Simone Gbagbo, et Anaki Kobena, et Mamadou Koulibaly, et Charles Blegoudé, et Soro Guillaume, en tout cas toute la sphère politique appelait l'opposition à se mettre ensemble. Même le PDCI a dit qu'il est parti du droit. Donc si aujourd'hui Afin Guessant a entendu ce message qu'il n'a pas caché, qu'il a apprécié, et entre-temps Afin Guessant avait même perdu un de ses proches, le président Laurent Gbagbo a été à ses côtés en avant des représentants pour lui dire Yako, comme le dit en Côte d'Ivoire, pour lui présenter ses condoléances. Donc pour moi, aujourd'hui, l'Ivoirien que je suis, je souhaite le départ d'Assane Dramane Ouattara par tous les moyens. Tout ce qui concourt au départ de Ouattara, vous avez vu, Soro Kibafori Guillaume, qui est quelqu'un qui n'est pas un modèle aujourd'hui, quand nous venons sur le plateau, nous essayons de
le présenter comme étant quelqu'un qui est un fils de Côte d'Ivoire, qui s'est trompé hier et qui peut contribuer à cette lutte. Si nous le faisons pour Soro Guillaume, qu'est-ce que nous pouvons accompagner avec Afinguessan? Afinguessan, hier, a eu un problème avec le président Laurent Gbagbo. Il a poussé le bouchon trop loin en poussant son parti politique jusqu'à la justice et en obligeant le président Laurent Gbagbo à créer un autre parti. Des paroles ont été lancées ça et là, c'est bien vrai. Mais est-ce que ça va au-delà de notre unité, de notre fraternité et de notre combat? Non. Donc aujourd'hui, moi, Baba Nicolo, d'abord, c'est un souhait. C'est un souhait que tous les frères, tous les camarades du président Laurent Gbagbo se retrouvent. Parce que oui, Afinguessan est de la gauche ivoirienne. Donc, ce n'est même pas un rapprochement, c'est un retour à la ligne. Parce que le président Gbagbo est son mentor et tout le monde le sait. Le président Gbagbo l'a nommé Premier ministre, le président Gbagbo l'a amené au FPI, le président Gbagbo lui a donné un rôle important au FPI. Donc, l'avènement d'Afinguessan, j'ai vu des Ivoiriens le lapider, j'ai dit non. Je dis non. Aujourd'hui, là, tout ce qui concourt au départ du terrorisme à Saint-Denis, que ce soit politiquement, que ce soit de la société civile, que ce soit avec les armes, il faut les accepter. Parce qu'un combat, il est multiforme, il est spirituel, il est métaphysique et il prend toutes les formes qu'il faut. Donc, oui, si Afinguessan l'a dit ouvertement, c'est au préalable parce que le président Gbagbo a ouvert les mains. Si Afinguessan l'expose ouvertement, c'est parce qu'il y a eu une démarche des militants du PPACI vers lui avec lesquels ils se sont assis et ils ont discuté. Donc, ça se fera. Le président Gbagbo n'est pas un rancunier. Je me rappelle que votre camarade... le journaliste de Afo Média, j'ai oublié son nom, lui a posé la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'il défendait Soro Guillaume. Il a dit qu'il est naturellement comme ça. Si le président Gbagbo défend un monsieur comme Soro Guillaume, qu'est-ce qu'Afinguessan a bien pu faire pour qu'il ne puisse pas se retrouver? Donc je pense que c'est déjà une bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Et ensemble, ils sont en train de poser des pas, ils sont en train de pousser Ouattara. Et quand Afinguessan prend des positions claires qu'il a prises, lors de leur congrès, il a dit clairement qu'il a quitté le RDR qu'il a rapproché parce que pour lui, il fallait parler de réconciliation. Pour la réconciliation, il n'y avait pas de, voilà, il n'y avait pas de fermeture. Il fallait s'ouvrir totalement au nom des Ivoiriens. Il n'est pas allé au RDR, il n'est pas allé s'allier au RDR pour de l'argent, sinon il ne serait pas parti puisqu'ils ont encore l'argent. Aujourd'hui, il est allé au RDR dans l'espoir que en faisant ce pas-là, le RDR allait diluer sa méchanceté, oui, son terrorisme pour sortir au cours ici. Il a remarqué que malgré ces efforts-là, le RDR est resté stoïque, est resté dans le terrorisme, dans la tyrannie et dans la dictature. Donc, avec les nouvelles donnes et la géopolitique se dessine, il faut que les Ivoiriens se retrouvent. Et je salue le retour pédéral d'Afinguessan. Je salue la nouvelle vision d'Afinguessan. Je suis d'accord que les écailles soient tombées de ses yeux, mais Afinguessan nous a fait beaucoup de tort. Mais il faut reconnaître Afinguessan, quelqu'un qui, à un moment donné, a été là pour la Côte d'Ivoire. En 2020, lorsqu'il y avait les élections, Afinguessan, dont la candidature avait été validée, a refusé de compétir et est rentré dans le CNT. L'homme peut faire des erreurs, comme nous tous d'ailleurs, mais à un moment donné, pour la Côte d'Ivoire, je demande aux Ivoiriens de concéder leur sentiment, de concéder à la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire a fait pour nous. Donc, c'est bon vent, c'est une bonne chose qu'Afinguessan et son mentor, l'homme qu'il a élevé, se retrouvent et qu'ensemble, main dans la main, ils puissent pourquoi pas ramener autour d'eux tous ceux qui aujourd'hui ont créé des petits camps, tous ceux qui aujourd'hui sont dessus du président Laurent Gbagbo, tous ceux qui aujourd'hui pensent que le président Gbagbo aurait pu faire ceci, aurait pu faire cela. Mais merci. Au nom de la Côte d'Ivoire, je salue la position d'Afinguessan et je le soutiens. Je me suis opposé et j'ai communiqué contre lui à cause de ses positions, mais aujourd'hui, je lui dis bravo et je lui présente toutes mes excuses. Mais la Côte d'Ivoire, au-delà de nous tous, les sentiments ne font pas un pays. Il faut le faire raisonnablement, il faut le faire avec le patriotisme, il faut avec le cœur. Donc j'invite tous les Ivoiriens à les aider, à les accompagner. Merci et à vous. Aider tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes qui veulent qu'aujourd'hui, Dramane Ouattara, que le problème, non seulement de la Côte d'Ivoire, de la sous-région et de l'Afrique, soit bouté et que la France-Afrique disparaisse pour que la souveraineté africaine arrive et que nous aussi, on puisse rejoindre nos frères de l'AES. Voilà, merci à vous. Quelles implications ce rapprochement pourrait éventuellement avoir dans le paysage politique ivoirien à l'approche de la présidentielle de 2025? Nous allons donner la parole à nos téléspectateurs. Je rappelle que nous restons aux côtés de nos invités. Et ils sont Saint-André Christelfanga, Patient Parfum d'Homme, Okossisi Baba Nicolo, Boubou Doucouré ou encore